ça me tique, ça me tique, ça me tique. Reviens, reviens. Alléluia, mes frères. Maintenant, il n'y a plus qu'à lui tirer dans le cœur. On va s'allonger. Par contre, te mets pas debout face à moi après, parce que franchement, je sais pas où il est vraiment ton cœur. Je préfère que t'arrives. Non, non, mais non. Soyons amis. C'est quoi ça? On va pas se précipiter. Hein. Non mais soit tu fais ça en face de moi. Oh, cette bête. Et mais t'as vu, il répond pas au. Et il me saoule par contre. Hein. Dégage. Fais ça, bah fais ça face à moi. Oh putain, là ça aurait été bon. Oh, je vois pas son cœur d'ici. Oh non, il le fait pas face à moi. Oh, il me saoule les caribous là, putain. Non ! Reste là. De toute façon, je crois que je vais pas lui taper le cœur là. Je vais essayer, mais il me le faut là, l'amnétique par contre. Je le vois. Je crois que je le vois. J'aurais une mythique quand même. Mais j'aurais pu viser le cœur là. C'était sûr que. Oh, je suis pas passé loin, putain. Oh, je suis vraiment pas passé loin. Putain, tu vois, j'aurais tapé le cœur, c'était bon là. J'avais fini ce putain de défi de merde. Puis je l'ai pas empaillé comme un connard. C'est une femelle ça. Qu'est-ce qui me chante? Ah non, très difficile, d'accord. Ok. Par contre tu te calmes. Cela d'ici je te vois pas. Ah!
à moi, s'il te plaît. Ah, mais t'es trop bas. Mets-toi debout. Merci. Ah non. Non, mais faut que tu te mettes debout face à moi. Non plus, hein. Putain, en plus ça brille trop du coup. Coucou. Ils sont légèrement biais, il faudrait qu'ils soient de face comme l'autre tout à l'heure. C'est dans le cœur et c'est de l'or. Wow, arc narratif de Kayla Johnson. She also mentioned that you were the only hunter she'd met in the last 3 months at Yukon Valley that gave her a challenge as the apex predator. I'm not sure if I'll miss having her around the reserve, but I definitely won't forget her anytime soon. She said that if you want to catch up with her, you should watch some of her hunting videos on the internet. She couldn't keep the smile off her face when she said it, though. So maybe she's joking. Putain. Heureusement que je suis tombé sur le très difficile, hein. Ouais, j'ai pas empaillé le très difficile, ça servait à rien, parce que comme j'ai pas empaillé le mythique... Si près.
deuxième là. Putain, ça a pas mis animal repéré. Ah si. Placé. Voilà, 57 mètres. Comme ça. Pleine nuit pour pister, je suis obligé de mettre les marqueurs parce que quand il y en a plusieurs comme ça. C'est fini. Attends, je vais chercher ta copine d'abord. Elle est juste là. Non. Elle est morte. Elle est morte. C'est quoi qui arrive sur moi? Il y a un truc qui arrive sur moi là. Je sais pas ce que c'était. Je te fais dégager. Finito les grizzlies. Oh. Bon, allez. Pour le fun. Petit. On va s'approcher un peu parce que s'il vient dans le... dans la côte, je le verrai pas. C'est quoi qui est en face? C'était deux grizzlies ensemble? Ah ouais. Difficile. Ah, j'ai pas vu. Ah, il y avait deux grizzlies ensemble. Ouais, c'est bon, c'est fini là. Alors il est où lui? Il est là. Ah, je t'ai visé l'anus, mon ami. Intestin, enfin chair, bassin, scrotum et coccyx, scrotum et moins l'épinière, caudale. Ah putain merde, il y avait deux grizzlies.